Coucou mes guerrières, mes guerriers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette voyance box du mois de septembre. J'espère que vous avez bien débuté ce mois car c'est un nouveau départ pour tout le monde, dans le travail, les affaires, les études, après les vacances. Alors, je vous dis, accrochez-vous, nous allons commencer cette voyance. La voyance se fait par ordre de mail, c'est-à-dire le premier qui a écrit dans le mail, c'est la personne auquel on va. Je réponds qu'une seule question, je vous ai dit, vous pouvez poser votre question à l'adresse qui est écrit là, belleclaire.astuce@gmail.com. Je vais vous le mettre aussi en haut de cette vidéo aussi. Alors, pour ceux qui veulent une consultation personnalisée, vous pouvez venir via inbox et puis vous aurez votre consultation. Donc, nous allons démarrer. J'espère que vous vous êtes bien amusé dans ces vacances-ci, car tout le monde n'a pas ce privilège de passer les vacances, d'aller en vacances. Tout le monde n'a pas ce privilège-là, mais espérons que ceux qui sont allés se sont super bien amusés, méga, méga amusés. Parce que là, on va voir ce que ce mois-ci nous réserve. J'espère que ça va nous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de choses auxquelles nous allons bénéficier en ce mois. Que la nature nous protège et nous apporte que des ondes positives en ce mois de septembre. Tout le monde que je vais consulter ici aujourd'hui, qui puisse voir lumière sur leur consultation. Alors, nous allons commencer par Justine. Je ne vais pas prononcer les mots, les noms de famille. Je vais dire les noms de famille, je les garde intérieurement. Je prononce les noms de famille dans moi quand j'en ai besoin pour la voyance. Mais après les noms, les prénoms, je vais dire que les prénoms, ça c'est pour garder la privacité de chaque personne. Mais après, si je trouve que j'ai deux Justine, par exemple, je vais prononcer la première lettre du nom de famille qui commence pour que chaque personne puisse se distinguer. OK? Alors, Justine dit ici, bonjour belle, j'aime un homme, il s'appelle DR, donc je ne vais pas dire le nom. Les initiales, je le donne. D, première initiale, deuxième initiale, R, troisième initiale, T. Et nous sommes ensemble. Je voudrais savoir si il m'aime comme je l'aime ou si c'est juste pour s'amuser. Ou si c'est juste pour s'amuser parce que je le sens un peu distant. Merci, Becker. Moi, c'est Justine, comme j'ai dit. Alors Justine, on va voir ce qui se passe avec ton DRT. OK? Ici, Justine, ce qu'on me montre, c'est que pour l'instant, il n'est pas vraiment sérieux dans la relation, d'accord? Il n'est pas de la même intensité de la relation que toi. C'est-à-dire, vous êtes là et lui, il est encore en dessous de vous. Ok, il prend pas encore vraiment les choses au niveau où vous prenez les choses. Ceci ne veut pas dire que il est en train de s'amuser, juste que vous n'êtes pas au même niveau de la relation. Ok, on va aller sur la deuxième question. Comme je vous ai dit, c'est juste une réponse par personne, une question par personne. Et si vous désirez une voyance personnalisée, vous me contactez via inbox plus 34 612 40 96 28.
On va prendre la deuxième personne. Surtout, n'oubliez pas que cette voyance, comme je l'ai dit, désormais, ça va se passer sur Facebook et sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vais pouvoir vous mettre ça en roulant pour que vous puissiez la voir également. Donc, Kassa dit, Kassa c'est dit. Bonjour Tata, j'espère que vous allez bien. Je voudrais savoir ce que Dame Nature me réserve concernant mon voyage. Alors, Kassa, on va voir ça. Alors, Kassa, déjà ici, on me montre que vous avez des difficultés financières concernant ce voyage-là. D'accord? Vous traversez des difficultés financières pour ce voyage dont vous êtes en train de prévoir. Et ce voyage, ce n'est pas en Afrique, c'est plus loin que ça. Donc, je veux dire, on me montre ici que c'est loin, c'est hors continental. D'accord? Ici, là, vous n'allez pas de suite voyager. C'est ce que la nature me montre ici. Mais il faut se battre. Si vous vous battez, vous pourriez voyager le plus tôt possible. D'accord? Alors, pour cela, vous pouvez également venir me voir, inbox. J'aurai une solution à vous pour votre problème. D'accord? De même que Justine, j'ai oublié de te dire, tu peux venir me voir inbox, on trouve solution à ton problème. D'accord? Donc voilà, Kassa, c'est ce que la nature me présente aujourd'hui concernant ton voyage. C'est pas tout de suite là si tu ne fais pas un petit coup de pouce. Ok, ma chérie? Ok. On va prendre la troisième personne, j'ai allumé le feu ici. Vous voyez quelle chance nous avons. L'encens que j'ai allumé depuis continue à brûler. Ça veut dire que nous avons des très bonnes visions, des très bonnes énergies aujourd'hui. J'essaie de l'éteindre même, mais ça refuse. Alors, allons à la troisième personne. D'accord. Permettez-moi, je vais jeter ça, je vous reviens parce que là, du coup, ça risque de prendre très cher. Désolée, déjà, je n'aime pas trop me lever lorsque je travaille. Je n'aime vraiment pas me lever lorsque je travaille, lorsque je suis déjà face à vous. Alors, la troisième personne s'appelle Ghislain. Ghislain dit un grand salut. Ghislain dit, je voudrais savoir, ma femme A, avec les initiales A, fera mes papiers pour que je la retrouve en Europe car je ne connais pas ses sentiments, ses intentions. Merci. Je vais répéter la question de Ghislain. Ghislain dit, bonsoir, salut. Je voudrais savoir, ma femme avec les initiales A, ferai mes papiers pour que je la retrouve en Europe car je ne connais pas ses intentions. Alors, on va poser la question pour Ghislain car il aimerait savoir si sa femme aux initiales A, d'accord, fera ses papiers définitivement pour que
pour qu'ils puissent la joindre en Europe. Voilà. Je suis là, c'est un non, non, non ici. Hein. Je veux dire un grand non. Ok? C'est un grand non. C'est un grand non. Je ne sais pas comment t'expliquer cela. Ici, on me met un non. Si vous avez parlé des thèmes de papier et tout ça, de toutes les façons, elle n'est pas dans la sauce. Elle n'est pas dans la sauce. Désolé, mon chéri. Elle n'est pas dans la sauce. Si vous avez parlé de papier, mais ici on me montre qu'elle n'est pas dans la sauce. C'est un zéro, un grand zéro. Il n'y a pas de papier ici. Peut-être dans le futur, mais pour l'instant, elle n'a aucun, elle n'a pas encore commencé aucun, je vais dire, aucun document concernant vos papiers pour que vous puissiez la rejoindre en Europe. Et vous le savez d'ailleurs, vous n'avez reçu aucun papier. Pour faire des papiers, pour qu'elle puisse vous rejoindre, il faut qu'elle vous envoie des documents à vous pour que vous puissiez commencer le processus. Et ici, on me montre que vous n'avez reçu aucun papier de cela. Donc, ici, là, il n'y a rien. Ce n'est que des paroles en ce moment. Désolé, mon chéri. Ce n'est que des paroles. Pour plus savoir, pour en savoir plus, contactez-moi via inbox. Pour une consultation complète, ok? Alors, on va prendre, comme j'ai dit, c'est une question. On va prendre Mimi Stella. Mimi Stella qui dit, coucou belle, je suis fâchée avec ma belle-sœur car elle a cru que j'avais couché avec son mari. Je lui ai donné des preuves, mais depuis, on ne se parle plus. Elle me parle que quand elle est obligée. Quand il y a du monde, elle me manque terriblement. Elle me manque terriblement. Croyez-vous qu'on redeviendra bonne amie comme avant? Chérie, sans même consulter, j'ai des flashs qui me montrent, qui me fait même avoir de la peine pour toi. Qu'est-ce que toi-même t'as fait, ma chérie? Mimi Stella, je vais prononcer ton petit nom parce que ton nom même est là, mais je vais te prononcer au nom de Mimi Stella pour que tu puisses te reconnaître. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait toi-même? Qu'est-ce que t'as fait, chérie? Fais ton examen de conscience. Corrige tes erreurs. Enfin, d'aller demander pardon et que ton pardon vienne du fond du cœur. Qu'elle sente que ce pardon que tu lui offres là est vrai. Et fais-le aussi avec les actes. Parce que c'est ce qu'elle a besoin en ce moment. Sinon, il n'y aura pas de réconciliation. Malgré tout ce que tu vas lui dire, tu vas lui montrer preuve si par là, par là. Ce n'est pas ce qu'elle a vu. Quand vous vivez souvent avec des personnes, évitez certaines complicités. Quand vous savez que c'est le mari de votre tante ou de votre soeur ou de si, évitez certaines choses, évitez certaines sorties, évitez certaines complicités là qui va faire. Donc, elle s'attache sur ça. C'est ça que je te demande. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait? Donc elle a ses preuves à elle qu'elle a vues, qu'elle a vécues. Maintenant, quelles qu'en soient les preuves que toi tu vas lui présenter maintenant et ce qu'elle a vu, elle a vécu avec vous dans la maison, ce n'est pas pareil. C'est compliqué ta situation, chérie. C'est compliqué cette réconciliation. Ça va vraiment te mettre du temps pour qu'elle puisse te pardonner. Mais après, tu peux venir inbox
on pourrait trouver toujours une solution pour adoucir son cœur pour qu'elle puisse te pardonner le plus tôt possible. D'accord? Et quand tu lui demandes pardon, demande-le pas seulement avec la bouche. Elle doit sentir que ton pardon est sincère et fais-le aussi avec des actes. Parce que le pardon ou des choses s'accompagne avec des actes pour confirmer que oui, voilà, c'est comme ceci. Tes preuves ne lui servent à rien et elle te l'a dit. Elle te l'a dit. D'accord? Alors, nous allons continuer avec. Normalement, je dois m'arrêter à 5 personnes. Là, j'ai pris une, deux, trois, quatre. D'accord. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Cette personne m'a fait la question dans les commentaires. Dans les commentaires, je vous ai bien dit. Dans la vidéo que j'ai postée, je vous ai bien dit. Voyant ce box, écrivez-moi une question dans le mail. Je vous ai mis le mail là-bas, belle claire. Point astuce @gmail.com. Il passe bien en dessous de la vidéo également. Vous venez m'écrire dans les commentaires. Je vous dis non. Allez laisser votre message dans le mail. Vous ne l'avez pas fait. Vu que je suis de bonne humeur, je vais vous répondre. J'ai pris quelques-uns seulement que je trouvais qui étaient importants parce qu'il y a eu beaucoup qui ont laissé leurs questions dans les commentaires. Et là, j'ai dû trier pour prendre que ceux qui sont importants, que je trouve que c'est important de répondre. Alors, il y a Christelle G. G, c'est l'initiale de son nom de famille. Elle pose la question. Que signifient les rêves d'entendre fréquemment toquer à la porte? Christelle G. Vous êtes en danger. La personne qui toque à votre porte à la nuit, d'accord? La personne qui toque à ta porte à la nuit fait appel à toi pour t'amener dans un autre monde. Alors, si tu acceptes à cette porte-là, si tu réponds lorsqu'on toque, si tu ouvres cette porte-là, tu as donné ta vie à ce monde-là. Alors fais très attention. Il ne faut pas demander qui c'est. Du moment où tu sais bien qu'il est tard, à partir de minuit, 1 heure par là, tu sais que tu n'attends personne. Tu sais que tu n'as pas rendez-vous avec quelqu'un. N'ose même pas demander qui frappe à la porte. Déjà, tu as donné ton aura en posant seulement la question. Plus encore, si tu vas ouvrir la porte, c'est la totale. D'accord, ma chérie? Donc, tu es vraiment en danger. Il va falloir travailler sur toi durement pour pouvoir éliminer, chasser, détruire ces personnes qui sont en train d'essayer de te prendre et t'amener où ils veulent, là, dans un autre monde. Et ce n'est pas dans un monde parfait. C'est pour aller travailler pour eux. Fais attention, chérie. Alors, je vais prendre la dernière personne. User. User. Je vais t'appeler par ce nom-là. D'accord? User. Bonjour, Tata. Moi, tout ce que je fais, ça échoue. Vraiment, aide-moi. User, ma chérie. J'ai pas besoin de consulter hein, parce que là, ce dont je réponds directement, c'est parce que j'ai des flashs qui viennent directement. User, tu as un gros blocage, c'est-à-dire tu as une pierre qui est posée sur ton aura. D'accord? Tu as une pierre qui est posée sur ton aura. Alors, il va falloir renaître ton étoile. D'accord? Redonner chance à ton étoile pour que tu puisses rebriller de nouveau. Et pour cela, il faut que pendant qu'on travaille sur toi, pour reconstruire ton aura, il faut que toi-même tu te repentes également de tes erreurs commises. Tu commences par demander à partir d'aujourd'hui pardon à tous ceux dont tu as offensé
Et ce, même tu penses seulement que tu as offensé, parce qu'on offense parfois des gens sans se rendre compte. D'accord? Alors, on peut travailler. Tu peux voir n'importe qui, n'importe quel professionnel qui va travailler sur toi pour briser cette pierre-là, cette voile-là qui est mise sur toi et restaurer ton aura. Comme tu peux venir également chez moi, ceci veut dire, va à la personne que tu considères que ton cœur t'appelle le plus. Tu n'es pas obligé de venir chez moi. Tu peux venir chez moi comme tu peux aller chez quelqu'un d'autre, mais va chez quelqu'un que tu sens vraiment que ton cœur t'appelle et que tu sais que cette personne-là va faire du bon travail pour toi pour que tu puisses restaurer ton aura. Ok? Alors, cette voyance, vous allez la voir dans la page. Je vais la mettre dans ma page Becler officielle pour cette fois. Mais sachez que désormais, la voyance, c'est sur Facebook. Ça serait publié sur Facebook, d'accord? Et sur ma deuxième chaîne YouTube, d'accord? Sur Facebook qui est Rituel Amour et Abondance de Belle Claire. Je vais vous le mettre là. Et ma deuxième chaîne YouTube que vous le connaissez et également, je vais vous le dire, qui est ma deuxième chaîne YouTube, je vais vous le mettre là-bas également. Parce que là, sur la première chaîne YouTube qui est officielle, on a déjà trop d'astuces là-bas et j'aimerais partager dans d'autres. Alors, ma deuxième chaîne YouTube qui est Rituel Amour et Abondance de Belle Claire 2. Alors, passez une bonne semaine dans la paix du Christ, dans le bonheur. Et je vous envoie toutes mes énergies positives pour que vous puissiez trouver solution à vos problèmes. Je vous embrasse tous. Belle.